Il est temps de faire un grand ménage. Et qui est le meilleur nettoyeur du monde? Tu as deviné juste. C'est moi. Oh, waouh! Je sens qu'il y a beaucoup de choses sous ce lit. Du tissu coloré. Des jouets et quelque chose de massif. Oh, oh! Qu'est-ce que c'est? Ça doit être la boîte secrète dessus. Youpi! Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Oh, oh! Les vieux jouets dessus. Oh la vache, regarde cette pauvre poupée. Su, comment tu as pu? Je me sens tellement mal pour toi, pauvre petite. Viens avec moi, Dolly. Regarde-la, elle s'en fiche. Et si on montrait à Su la bonne façon de traiter les jouets? Allons-y. La 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 la. Oh, oh Samy! Quoi? C'est ta faute, Suzanne. Regarde cette pauvre poupée. Oh, waouh! Où est-ce que tu l'as trouvée? C'était ma Barbie préférée. C'était ta poupée préférée, vraiment? Bien sûr, regarde-la. Elle était si jolie. Je suis tellement heureuse que tu l'aies trouvée. Alors, est-ce que c'est un point en faveur de mon karma? Absolument. Eh, sympa. C'est pour toi. Yippie! Oh, chérie, c'est dommage que tu ne sois pas à ton meilleur séjour-ci. Mais je ne veux certainement pas te perdre encore une fois. Oh, je sais. Et si on te faisait un relooking? Je ferais de mon mieux pour te faire briller à nouveau. Tu peux essayer, mais je ne pense pas vraiment que quoi que ce soit puisse l'aider, Suzy. Hé, les amis, je parie que vous avez déjà eu des jouets abîmés au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces qui peuvent nous aider à restaurer des poupées abîmées et ruinées. Comme ma chère Barbie. Je veux qu'elle soit aussi jolie qu'avant. Je pense que c'est une tâche délicate, si. Attends voir. C'est en fait très simple et ça ne prend que quelques minutes. Je ne plaisante pas, je te le promets. Donc, le premier problème ici, ce sont ces traces de marqueurs. Ouh! Comment elle a pu avoir ça? Je ne peux pas imaginer. Ah, Samy, je ne me souviens pas. J'étais un enfant à l'époque. Ça aurait pu être une tentative de maquillage malchanceuse. Bah, ce n'est pas joli. Pour nettoyer correctement le visage de la poupée, j'ai besoin de dentifrice et de disques de coton. Je vais appliquer un peu de dentifrice sur son visage. Voilà! Maintenant, je vais juste l'essuyer avec un coton. Comme ça. Tada! Tout est propre. Maintenant, je dois m'occuper de ses cheveux. Je vais les brosser et... Hein? Je ne peux pas vraiment les brosser. Oh non! J'ai une solution. Je vais verser un peu d'assouplissant pour linge dans un bol. Ça suffit. Et je vais tremper les cheveux de la poupée dans ce liquide pendant un moment. Vous devez vous assurer que les cheveux sont bien trempés. Maintenant, il est super facile de brosser les cheveux de la poupée. Et en plus, ils sentent si bon! Les cheveux sont secs et jolis. Mais j'ai encore une idée géniale. Les mèches de cheveux colorées sont toujours tendance. Alors, je vais donner à ma Barbie quelques jolies mèches roses. Le résultat est génial! Oh, je n'aime tout de même pas sa robe. Quelques minutes et un nouveau bikini sera prêt. On doit couper la partie supérieure du ballon, comme ça. Et voici comment vous fabriquez des culottes bikini. Il est temps de faire le haut. Je dois couper une autre bande de ballon. Et une de plus. Tout est fait. Un nouveau bikini pour Barbie. Cette couleur correspond à tes yeux, ma chère. Faites attention ici à ne pas déchirer le haut de bikini. Voilà, ça va parfaitement. Laisse-moi juste ajouter un petit détail décoratif. Je vais juste le déplacer derrière son dos. Waouh, j'aimerais avoir autant de cheveux. Tellement joli. Waouh, regarde-toi. Tu es magnifique, chérie. Alors, si, comment va ta... Hein? Waouh! Qui est cette beauté? Enchantée de vous rencontrer, jolie demoiselle. Sam, c'est ma vieille poupée Barbie après la transformation. Tu blagues? Waouh! Tu dois être une magicienne. Su, ah, je vais inviter ta Barbie à un bal de slime. Je peux, s'il te plaît, Su. Une soirée de slime? Alors on doit mieux l'habiller. Le maillot de bain ne suffira pas. Eh bien, alors voyons voir. Ah, tu n'as pas de chaussures. On va te fabriquer une paire de chaussures élégantes en utilisant un pistolet à colle. D'abord, protégeons tes pieds, sinon tu devras porter ces chaussures pour toujours. Les chaussures dorées sont les meilleures pour le bal. La colle doit refroidir,
Puis, je vais enlever l'excès de colle avec des ciseaux. Oh, ma chère Barbie, cette chaussure te va? Sam, elle n'est pas une cendrillon. Bof, tu es tellement ennuyeuse, si, vraiment. Les chaussures sont prêtes et elles vont parfaitement bien. En voici une et voici la deuxième. Il est temps de faire une robe maintenant. Je suis sûre que vous savez tous qu'il existe plusieurs façons de fabriquer une robe sans coudre. Pour la première méthode, nous aurons besoin d'une chaussette propre et jolie, comme celle-ci. Je suis prête à la sacrifier. Voyons voir si cette couleur te va. Je pense que oui! Donnez un like à cette vidéo si vous êtes d'accord, les amis. Je vais couper la partie inférieure de la chaussette. Vous devez être très prudent en faisant ça. Maintenant, on doit faire deux petits trous dans la partie supérieure de la chaussette. Ici et par ici. Ouais, comme ça! La robe est prête. Essayons-la maintenant. Oh, je suis tellement excitée! Waouh, elle te tombe comme un gant, ou je devrais dire comme une chaussette. Quoi qu'il en soit, c'est génial. Elle a l'air encore meilleure que ce que je pensais, mais ce n'est pas encore une robe de bal. Heureusement que j'ai cette boîte magique avec des morceaux de tissu supplémentaires. Madame est prête. Ne t'inquiète pas, Samy. Donne-moi une seconde. Voyons voir. Non. Ah, non. Je ne pense pas. Ouais, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je vais prendre ce morceau de tissu. Assurez-vous que le vôtre n'est pas trop petit, les amis. Et pliez-le de cette manière. Maintenant, je vais découper cette partie du tissu. Ce matériau est en surplus. On n'en aura pas besoin pour notre robe. C'est comme faire des flocons de neige en papier, vous savez? Si vous l'avez déjà fait, mettez un like! D'accord, c'est le tissu dont on aura réellement besoin pour la robe. Il faut faire une coupe ici. Et je vais aussi faire deux petits trous sur les côtés de cette taille. D'accord, tu peux essayer ta nouvelle robe, chérie! Attention, attention! Waouh, la couleur est parfaite! Vérifions la taille. Elle va bien! Il manque quelque chose. Une ceinture! Ça fera génial ici. Une ceinture dorée ira parfaitement avec tes cheveux blonds. Et la couleur or se marie à merveille avec cette robe bleu ciel. Voilà! Tu es magnifique! Je pense que tu es prête pour le bal. Oh, attends! Tes cheveux! Tu as besoin d'une jolie coiffure. Je sais laquelle t'irait à merveille. Oh là là, pourquoi ça prend des siècles? J'en ai marre d'attendre! Arrête de râler, Sam! Cherche plutôt des fleurs pour ta dame! Oh, quelle bonne idée! Je vais brosser ses cheveux et séparer quelques mèches. Ensuite, je replierai une mèche sur l'autre encore et encore. Tout le long jusqu'à ce que j'obtienne une jolie tresse. Je vais la fixer avec une épingle à cheveux. Pour le moment, je vais répéter le processus de l'autre côté. Waouh, ces mèches colorées sont belles tressées ainsi, n'est-ce pas? Maintenant, je vais rassembler ces deux tresses et les fixer à l'aide d'un élastique. Comme ça, tu vois? Au fait, tu peux aussi coiffer tes cheveux de cette façon. Juste quelques instants et c'est prêt. Eh bien, on a terminé ici. Regardez cette beauté. Elle est complètement prête pour le bal. Chère Barbie, oh là là, tu es ravissante! Permets-moi de t'inviter au bal de slime! Oh, Samy, tu es un vrai gentleman! Je serais ravie d'aller au bal avec toi! Génial! Allons-y! Voilà comment on a transformé une vieille poupée Barbie en une belle princesse! Maintenant, elle est tout simplement éblouissante! Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, les amis! Abonnez-vous à notre chaîne et regardez d'autres vidéos sympas sur le bricolage! Au revoir!